Coucou, donc aujourd'hui au naturel, je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Je fais pas ça pour me vanter, je fais ça pour partager avec vous, pour remercier mes amis qui m'ont envoyé des cadeaux. Et donc je vais commencer tout de suite par Estelle. Donc Estelle, je lui avais commandé des boucles d'oreilles que moi je vais offrir par la suite. Déjà pour commencer, parce qu'elle fait des créations superbes. Elle m'a écrit une petite carte et sache Estelle que franchement, je pense également que on a dépassé le stade de on se connaît un peu vraiment, je pense qu'on est vraiment vraiment amis. Et t'es la personne que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux avec qui je m'entends le mieux et tu te considères vraiment comme une amie, pas juste comme quelqu'un que je connais. Donc voilà, merci beaucoup. Et du coup, Estelle, elle m'a offert de chez Adopt, elle m'a offert les trois parfums que je voulais essayer qui sont des dupes. Donc on a l'Atout Charme, comme ça. Alors c'est des formats de 30 ml. La touchante, c'est censé être le dupe de l'interdit de Givenchy. Et alors, je sens l'interdit de Givenchy, mais avec un petit truc différent. Et franchement, il sent super bon, je trouve. Ensuite, on a le Eau Féminin, qui est censé être, je sais plus le dupe de quoi. Mais, bizarrement, je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'interdit de Givenchy. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup cette senteur. Et on a la Vie Bohème, qui est censée être le dupe du Narciso Rodriguez Pure Musc, il me semble. Et alors, je sais pas si le Narciso Rodriguez, c'est comme ça, en tout cas dans mon souvenir, pas trop. Mais j'ai peur que sur moi, cette odeur, elle tourne vachement. Donc, en fait, j'aime bien comme ça l'odeur. Mais sur moi, j'ai peur que ce soit le genre d'odeur qui tourne vachement. Donc, je l'essayerai. Et au pire, je l'offrirai moi aussi à quelqu'un de ma famille ou quoi. Mais en fait, j'aime beaucoup comme ça. Mais j'ai l'impression que ce sont les notes, le genre d'odeur qui, sur moi, ne fonctionne pas trop bien. Donc, ouais. Donc là, j'ai pas les notes, mais en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, il y avait la publicité pour le nouveau parfum qui s'appelle Black Diamant, fleur de vanille, crème de tonka. Et ça a l'air d'être les senteurs que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai commandé en fait, puisque pour notre anniversaire, on a droit à un parfum offert. Du coup, j'ai commandé un mini parfum, je sais plus lequel, cœur à cœur, je crois, ou un truc comme ça, qui était en format, vous savez, petit, à 3 €. Et du coup, j'ai eu le grand gratuit pour mon anniversaire, donc c'est trop cool. Merci encore beaucoup, Estelle. Franchement, merci beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, je vais continuer avec Kathleen. Kathleen, elle m'a fait un sachet cadeau, comme ça, avec plein de choses. Je m'approche un petit peu. Hop. Avec plein de choses. Donc, j'ai déjà ouvert, hein, mais là, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'elle m'a offert. Donc, elle m'a envoyé la crème pour les mains Mur Gourmand de chez Yves Rocher, comme ceci. Alors, je les ai déjà toutes eues, toutes essayées, toutes terminées, mes crèmes Yves Rocher pour les mains des éditions de Noël. D'ailleurs, toutes, je les ai toutes finies. J'aime bien les odeurs comme ça, mais je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser parce que j'ai un stock à fond, mais je suis très contente. Ensuite, elle m'a offert pour les mains un truc 2 en 1 de chez The Beauty Dev. Je pense que ça vient de chez Action. Il y a un gommage pour les mains et ensuite un masque pour les mains. Alors la quantité m'a l'air énorme. Donc je pense qu'avec un tube quoi, on peut faire 2 voire 3 utilisations là. Donc à voir comment ça se conserve. Mais ça c'est une super idée pour offrir. Ensuite un petit masque glace. Ensuite elle m'a offert de chez Shiglam le baume démaquillant Nair Oli là. En fait, c'est drôle, mais je crois que c'est la troisième fois qu'elle me l'offre. Et à chaque fois que j'utilisais, c'était parce qu'elle me l'avait offert. Et je le trouve vraiment super bien. Je trouve que c'est un équivalent vraiment, vraiment au niveau efficacité. Hein. Au niveau efficacité, il est comme le The Body Shop, sauf qu'il coûte moins cher. Alors, il n'y a pas la même quantité que dans le The Body Shop, mais je pense que si on fait quantité-prix, ça revient quand même moins cher, le Shiglam. Et il fonctionne super bien. Et moi, avec le Shiglam, ça ne me pique pas les yeux. Alors que le The Body Shop, il me pique quand même les yeux. Ensuite, ça, je suis trop contente, je voulais trop l'essayer. C'est de Sunday Rain, c'est un gommage pour le corps. En fait, cette marque, ils font plein de gommages pour le corps qui me donnent trop envie. Et celui-là, c'est Aloe Vera et Menthe Douce. Alors, c'est operculé, du coup, je peux pas le sentir. Vraiment, ça sent pas à travers, mais ça a l'air d'être une gelée, mais remplie de grains de sucre, là. Ça a l'air trop, trop bien. Vraiment, j'ai trop hâte de l'essayer. Je sais pas quand est-ce que je vais l'essayer. Mais je pense que pour en été, peut-être Aloe Vera et Menthe, là, ça va être trop rafraîchissant. Donc j'ai trop hâte. Ensuite, elle m'a offert de chez W7. C'est un dupe des Huda Beauty, vous savez, comme ça. Elle a choisi la teinte Freedom. Et c'est exactement le genre de teinte que j'aime. Vraiment.
super crémeux. Alors ça, c'est un rouge à lèvres qui est pas, enfin, je veux dire, qui va bouger et tout et qui est pas sans transfert et tout. Mais vraiment, c'est exactement les teintes que je porte. J'aime énormément ces teintes comme ça, bois de rose. Donc je suis trop contente. Ensuite, de chez Adopt, un crayon à sourcils. En fait, j'avais peur qu'il soit noir. Parce que, ben, on dirait du noir. En fait, c'est pas noir. C'est marron assez foncé. Vous voyez, bon, moi, ça va aller. Par contre, je trouve qu'il est assez sec. Donc, heureusement qu'il est petit. Mais oui, la teinte est très bien. Donc, c'est parfait. Et ensuite, elle m'a offert une palette. Génial. Franchement, j'ai trop hâte de l'essayer. Alors, la palette, elle venait avec des petits pinceaux comme ça. Les pinceaux, franchement, ils font très, très cheap et tout. C'est pas... pas génial, mais c'est une palette comme ça pour faire des make-up artistiques et c'est une palette de fard à l'eau, donc je suis trop contente. Il y a plein de teintes que j'ai pas dans mes liner cakes. Il y a un grand noir et un grand blanc, ça c'est top. Bon, moi souvent je mets du rouge aussi, donc voilà. Et là après on a alors là c'est censé être genre métallique, je pense. On a argenté, blanc et on a un orange un peu brique, mais en fait il est un peu grisé. Après, on a des teintes fluo ici, des teintes néon ici. Ici, on a des teintes plus foncées. Après, on a une déclinaison de teintes comme ça. Et franchement, je trouve ça trop bien. J'adore. Je ne sais pas du tout où elle a acheté. Je ne sais pas si ça vient genre de AliExpress, Temu ou quoi, ou de Amazon. Parce que je sais qu'il me semble qu'elle en a une, elle, de Amazon. Donc, je suis trop contente. Et évidemment, elle m'avait mis une petite carte. Et j'adore cet autocollant là. Il est trop beau. Il est genre en relief et tout, il est trop beau, avec une carte. Et pareil, vraiment, merci énormément Kathleen. Regardez le petit torrent qu'elle m'a mis et tout. Vraiment, je suis trop contente. Évidemment, Kathleen, c'est aussi mon amie comme Estelle. Par contre, Kathleen, elle habite beaucoup plus loin qu'Estelle. Du coup, on n'a pas eu la chance de se rencontrer en vrai. Mais vraiment, deux amies que j'ai rencontrées grâce à Instagram et YouTube. Vraiment, pépite les copines. Vraiment, je vous aime trop. Ensuite... j'ai des élèves, vous savez, des élèves pour adultes qui m'ont offert des confiseries du Tech. Le Tech, c'est une confiserie de chez nous, quoi. Donc, ça, et du coup, bon, j'en ai déjà mangé. Donc, ils m'ont offert des croquants aux amandes et au beurre. Donc, ce sont des biscuits avec des éclats d'amandes. Et ensuite, des chocolats, genre mauve, mais du coup, c'est maison, comme ça, là. Alors, au chocolat noir, ils sont farcis, enfin ils sont fourrés avec une crème qui a un petit goût un peu citronné. Et c'est au chocolat au lait, c'est vraiment guimauve. Et j'aime trop. Et ensuite, pour terminer, alors moi je me suis payé mon tatouage, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vlogs et tout, donc voilà. Et ma mère, elle m'avait envoyé de l'argent pour que je puisse me faire plaisir, donc bah, je l'ai dépensé dans ma vie pour rendre quoi. Et mon chéri m'a laissé sa carte quand je suis partie à Primor. Il m'a dit tu peux prendre un peu ce que tu veux, mais sois raisonnable quand même, parce que bon, niveau budget, voilà. Du coup, j'ai pris la crème solaire Frudia au raisin, parce qu'en fait, je m'étais trompée, j'avais acheté celle à l'avocat qui est verte aussi. À l'avocat, c'est impossible avec ma peau. Et du coup, j'ai acheté celle-ci, elle coûtait 6 euros. Donc, voilà. Ensuite, de chez Wowow, comme ça là, j'ai pris des petits peignes rasoirs pour les sourcils, c'était 1 euro les deux. Franchement, c'est pour essayer, au pire, je vais voir à quelqu'un. Ensuite, de chez Essence, j'ai trouvé les Slim Stick. En fait, c'est comme les tartes et tout ça, là, vous savez, c'est les sticks comme ça, là. Et regardez la teinte que j'ai pris, elle est à peine plus foncée que celle qu'elle m'a envoyée, Kathleen. Et franchement, j'aime trop. C'est hyper crémeux. Alors ça sent rien, mais c'est hyper crémeux, c'est hyper pigmenté. Il y avait, je crois, 5 ou 6 couleurs chez Primor. Celle-ci, c'est celle qui me plaisait le plus. Les autres, en fait, il y en avait une qui est très très foncée, violet. C'est pas le genre de teinte que j'aime bien. Et les autres, elles étaient vachement claires. Et il y en avait 2 ou 3 qui étaient en rupture de stock. Donc moi, j'ai choisi celle-ci. C'est la 106, The Pink Drink. Voilà. Et je trouve la teinte très très belle. Et après, j'ai pris un produit que je n'arrive plus à retrouver en France. Que j'adore, c'est... Je vous en ai parlé, je sais pas combien de fois, j'utilise depuis peut-être 8 ans, je sais pas, je l'adore. C'est la masque Elvive à l'huile extraordinaire de coco, comme ça. Il coûte 4,75€, avant il coûtait 3,50€, et maintenant il coûte 4,75€, mais j'en ai trouvé. Il y en avait 2 dans le magasin, mais j'en ai pris qu'un parce que j'ai déjà d'autres masques et ça met longtemps à utiliser. Mais franchement, je l'adore, ça tient sur... Enfin, c'est le meilleur masque pour mes cheveux à moi, j'ai les cheveux secs. Qui boucle mais pas, c'est pas très bien défini et je me lave les cheveux 2 fois par semaine
Et une fois, je fais le masque, une fois par semaine. J'adore, l'odeur, ça reste jusqu'au lendemain et tout. Enfin, vraiment, c'est super. Mon chéri, quand il met, il a les cheveux tout doux et tout. Enfin, franchement, top. Donc, voilà. Et sinon, mon chéri, il m'a fait un énorme plaisir. En fait, je voulais un sac Graphéa. Ça coûte cher, franchement. Ça vient d'Angleterre. C'est fait artisanalement. C'est fait vraiment à l'ancienne, on va dire. Ils cousent eux-mêmes les sacs et tout. C'est en cuir et tout ça. Ça coûte cher, c'est un budget. Mais les collections sont magnifiques. Donc, je lui avais fait une sélection de 5 sacs et je l'avais laissé choisir. Il m'a dit, tu pourrais réduire, s'il te plaît, tout, parce que lui non plus, il n'arrivait pas à choisir. Donc, je lui avais laissé au choix 3. J'avais laissé, de toute façon, c'est la même forme que celui que j'ai là. Mais je lui avais laissé, du coup, un noir avec des fleurs brillantes, enfin, métallisées. Un bordeaux, un peu comme, un peu, enfin, là, vous voyez pas trop, mais un peu de cette couleur-là. Et un autre beige et blanc. Et du coup, il a choisi le noir avec les fleurs métallisées, rose gold, comme ça, regardez la beauté du sac, vraiment, et du coup c'est cette forme, parce qu'en fait je trouve que c'est très mignon, ça fait un peu cartable à l'ancienne et tout, donc il est trop beau, j'ai pas encore enlevé les protections là, vous voyez, c'est magnifique, et franchement, alors, du coup là le cuir est un peu dur, il faut que je laisse respirer, donc hop, là il s'ouvre avec des aimants, on a deux poches ici, et on a la bandoulière pour faire sac à bandoulière si on ne veut pas le tenir vraiment à la main. Voilà. Donc pareil, tous les détails rose gold et tout, comme ça et tout. Vraiment, c'est sublime, sublime, sublime. Je dois vous dire que c'est un budget parce que le sac il coûte 140 euros quand même, sans promotion. Avec les promotions, je crois qu'il y en a 90, quelque chose comme ça. Mais là, c'est un sac, c'est des sacs comme ça. Cette taille-là, c'est... Il y a un peu plus petit et après il y a aussi plus grand, il y a des sacs à dos, il y a différentes formes et tout ça. Mais les sacs comme ça, de cette taille-là, c'est 140 euros le sac. Il y en a qui sont un peu plus chers à 160, il me semble, pour des collections spéciales. Et hors promo, et vraiment, il est magnifique. Ça se voit que c'est de la qualité, je veux dire, c'est du cuir, c'est épais. C'est pas, enfin, franchement, on sent la différence avec un petit sac qu'on aurait acheté. Enfin voilà, on sent vraiment la différence. Je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. Du coup, je suis trop, trop contente qu'ils m'ont offert ça. Vraiment, je suis trop contente. Donc, voilà. C'est tout pour mes cadeaux d'anniversaire. J'ai été vraiment gâtée. Je suis très contente. Je vais manger des petits chocolats de Pâques. Je vais prendre des photos pour poster sur Instagram également. Et je remercie évidemment tous mes amis, ma famille, tout le monde qui m'a souhaité sur les réseaux et tout. Bon anniversaire. Évidemment, merci énormément à Estelle et Kathleen. Vous n'étiez pas obligées, mais vraiment, vous m'avez trop gâtée. Voilà. En tout cas, merci tout le monde. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!